Bonjour les filles, nouvelle vidéo pour vous présenter My Little Box Mars 2015. Donc voici My Little Super Box. Elle est très jolie, elle a des belles couleurs avec des petits éclairs. Donc ce mois-ci elle est sur les héros de Marvin, je pense. J'ai été très contente, bien sûr, j'ai pas résisté, je l'ai ouvert avant de vous présenter. Donc j'ai tout remis dans l'ordre, elle est présentée comme ceci, avec le petit ruban habituel, et quand on l'ouvre, oups, bien sûr, ça résiste, voilà, hop, la première chose que l'on a, c'est une planche de stickers. Je vous ferai des photos en plus gros plan pour que vous puissiez les voir. Donc, avec au milieu marqué, on ne naît pas Wonder Woman, on le devient. Donc, tout mignon, je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre encore, mais c'est sympa, c'est très coloré, c'est très vif. Très joli, 5 euros d'après ce que j'ai cru voir sur les prix. Bon, c'est un peu cher, mais bon. Après, My Little World, le magazine habituel, comme tous les mois, qui est très, lui, très pop aussi en couleur. Je l'ai feuilleté un petit peu. Vous voyez, des images comme celle-ci. Très, très flashy. Hop, très super héros. Elle est jolie, toujours pareil avec des interviews. Ah oui, le vestiaire de super-héroïne. Donc si vous voyez, c'est vraiment très 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 coloré ce mois-ci. Il est très beau, il est très sympa. Bien sûr, je vais le lire avec un nail art Wonder Woman. C'est pareil, je vous ferai une petite photo gros plan pour vous montrer. Très sympa, facile à faire, très joli. Donc voilà. Donc le premier goodies c'était la planche de stickers, le magazine. Deuxième goodies, Every Girl is a Super Hero. Donc j'ai marqué chaque fille est un super héros, c'est présenté comme ceci. Un tube en carton. Et à l'intérieur nous avons un t-shirt. Oups. Voilà, gris chiné on va dire. Déplié, voilà. Très joli, très sympa. Très agréable, je pense que ça doit être du coton, avec marqué we can be hero just just for one day. Nous pouvons être des héros juste pour un jour. Donc voilà, je sais pas pour quelle occasion je le mettrai. Les petites manches sont retroussées, il est très très, ah ouais, en plus c'est bien cousu comme ça, ça bougera pas. C'est je pense pour traîner à la maison ou alors avec un jean blanc. Pourquoi pas, il est très joli. Je ne me souviens plus, je crois que c'est 40 euros le t-shirt. Dans leur, puisqu'ils ont leur site où ils vendent les produits que nous avons. Donc voilà, maintenant nous passons aux produits. Dans notre petit sachet, qui est cette fois-ci avec des étoiles et toujours marqué My Little Box. Et qui est très gros, comme vous pouvez le constater. Alors là, c'est moi-ci, très agréable surprise, parce qu'il n'y a que des full size dedans. Donc c'est rare, mais c'est vraiment très très agréable. Donc je vais sortir les petits papiers pour pouvoir vous dire les prix en même temps. Oui, le t-shirt 39 euros, vous voyez, donc j'ai pas menti. Et la plaquette de stickers 5 euros. Donc nous commençons par la plus grosse boîte. Je ne l'ai pas encore ouverte, hein, je ne l'ai pas du tout testée. C'est de chez Garnier. Donc un full size, hein, comme vous pouvez le constater. C'est Miracle Sleeping Crème. Anti-âge défatigante, transformateur de peau nuit. Donc, anti-âge, oui. Mon âge, on peut mettre tout ça. Donc je vais le tester rapidement parce que j'ai presque fini mon tube de crème que j'utilise matin et soir. Donc pourquoi pas. Et cette crème sur le petit papier est marquée à 11,90 €. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Quand vous dormez, vous, A, je dors, B, je peux éventuellement faire un doux rêve où on ne veut pas en savoir plus, C, la réponse C, et D, je ronfle, vous perdez surtout votre temps, les vraies filles, elles s'occupent de leur peau. Encore un coup de Garnier, ça, la marque qui prend soin de vous, a imaginé Miracle Sleeping Crème.
son pédigré, faire dormir votre peau, la reposer dès que la nuit tombe, du coup, à peine vos rêves envolés, que votre peau est, dès le premier réveil, réhydratée, tout pump it. Hop. Et bien plus éclatante, tout ça, c'est grâce à sa texture autolissante. En plus, nuit après nuit, les signes de vieillissement et de fatigue se font la malle. Résultat, un visage lisse, ferme et bien repulpé. Allez, bonne nuit. Donc, oui, c'est vrai que j'ai des rides comme tout le monde avec l'âge. À voir, à tester, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Mais bon, c'est vrai que très contente parce que bon, bah, les crèmes, on n'en a jamais trop. Hein, on est des filles, on ne va pas changer aujourd'hui. Donc voilà. Deuxième produit, Kirines, le Wrap Radiance Masque Oxygénant Anti-Grismine. Donc ça, c'est pour le matin. C'est une marque que je ne connais pas du tout. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ne peux pas non plus vous la swatcher ou vous dire son odeur parce qu'elle a un petit opercule de protection. Je ne connais pas, par contre, il dit, j'ai vu le prix, 33,90€ ce petit tube. Donc j'espère qu'il est sensationnel. Et il a, alors d'après ce que j'ai pu voir, ah oui, le Wrap Radiance a sa texture archi veloutée. Il faut laisser poser sur le visage. Alors il y a 10 minutes de pause plus 5 minutes de massage, une à deux fois par semaine. Donc, faut voir. Oui, appliquer en couche épaisse sur le visage, préalablement nettoyé, en évitant le contour des yeux, bien sûr. Laissez poser 10 minutes, puis retirer l'excédent, utilisé de 1 à 2 fois par semaine. Pour un effet réactivateur d'éclat optimal, massez pendant les 5 premières minutes le masque. Donc, à tester. Mais contente quoi. Ouais, super, super. Encore un full size, très agréable. Très agréable. Et donc le dernier produit, ce mois-ci, qui est bien sûr My Little Beauty, c'est un bluff de crayon. C'est Lips and Chic My Little Beauty. Et donc, sur le petit papier que voici, bien sûr, il y a marqué la double vie du crayon Lips and Chic a commencé le jour où votre blush s'est éclaté, blablabla. Alors, il se met oublié d'invention pour satisfaire vos lèvres et vos joues, mais sans jalousie. Et il est à 14€. Alors, ce matin, je l'ai testé sur mes lèvres, puisque j'avais déjà mis mon blush. Comment dire ? Je ne l'ai pas testé en blush, donc je ne sais pas. Il est hyper crémeux, hyper... c'est bizarre. Donc voilà, présenté comme ceci. Je vous le swatch. Voilà. Il est très rose-orangé. Donc pour un blush, oui. Pour les lèvres, pour l'avoir testé tout à l'heure en maquillant, non. Parce que en fait, c'est pas aussi... Ça ne s'étale pas, ça fait bizarre, ça fait des rainures sur les lèvres et tout. Et la couleur me va, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Beaucoup trop orangé pour moi, qui en principe ne met que du baume à lèvres. C'est très rare. Donc là, du coup, comme c'est resté un peu, j'ai mis du gloss. Mais donc voilà, très, comme vous pouvez le constater, très gras. Ça s'étale très bien. Donc je dis, pourquoi pas pour du blush, mais sans remettre de poudre après par-dessus. Donc... aucune odeur, hein, odeur neutre, donc ça c'est pas désagréable en soi puisqu'on en met déjà assez sur nous. Donc voilà, donc très contente, ça à tester, les crèmes aussi bien sûr. Et ensuite en dernier nous avons un petit papier comme ça avec je suis une power patate et vous. Et ah, vous avez souri, ne dites pas non, vous avez souri, vous venez de découvrir votre premier super pouvoir, sourire. Surtout ne changez rien, vous êtes parfait. Après, il y a des petites questions à répondre pour s'amuser. Voilà. Pour en savoir plus sur vos super pouvoirs, retrouvez Florence Servan-Schreiber dans les pages de son livre Power Patate.
Le mois de mars. Je vous dis à la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.